Voici un rectangle. Alors on a ce rectangle violet ici. On va mesurer la longueur du segment vert, c'est celui-là, ci-dessous, en utilisant à la fois ce rectangle et une règle graduée. Donc on va mesurer la longueur du segment vert qui est là, avec deux unités différentes, en fait, hein, avec ces rectangles-là, et puis avec la règle graduée qui est ici. Alors on va compléter ces phrases qui sont ici. La longueur du segment est de un certain nombre de rectangles. La longueur du segment, le segment qui est là, et 2. Alors combien on doit utiliser de rectangles violets pour mesurer la longueur du segment vert Alors on part. En fait, on voit que si on part du début du rectangle et qu'on arrive jusqu'au bout de la longueur du rectangle, on aura parcouru en fait exactement la même longueur que le segment. Donc, en fait, la longueur du, du segment, c'est un rectangle. Le, le segment a la même longueur qu'un seul rectangle. Alors ensuite, on nous dit la longueur du segment est de... Un nombre de un certain nombre de centimètres. Donc ça, là, ça, ça veut dire qu'on va utiliser la règle qui est là. Alors quand je pars d'ici pour mesurer la longueur du segment vert, j'arrive jusque là. Hein. Donc je colle ma règle au, en partant du début du, du segment vert jusqu'à la fin. Et je trouve cette valeur-là, donc 3 cm. Hein. Ça, c'est des centimètres. Donc la longueur du segment est de 3 cm. Alors ensuite, la longueur de chaque rectangle est... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici Plus petite ou plus grande que qu'un centimètre. Plus petite ou plus grande qu'un centimètre. Alors, ça, on, il suffit de regarder. Hein, la, le rectangle, ici, sa longueur, c'est ça. En fait, on a vu, elle mesure 3 cm. Hein, la longueur du rectangle, c'est 3 cm. Donc, la longueur de chaque rectangle est plus grande qu'un hein, centimètre, puisque c'est 3 cm. Donc, on va mettre ça. La longueur de chaque rectangle est plus grande qu'un centimètre. Donc, il faut... Alors ici, moins ou plus de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment. Bah alors, puisque les rectangles sont plus grands que les centimètres, en fait, il va falloir moins de rectangles pour mesurer la, la longueur du segment. Hein. C'est logique, puisqu'on a, on a une unité en fait qui est plus grande. Donc d'ailleurs ici, tu le vois bien, puisque on a mesuré la longueur du segment est de 1 rectangle, mais par contre, elle est de 3 cm. Donc il faut moins de rectangles, il faut un seul rectangle alors qu'il faut 3 cm pour mesurer le segment. Donc voilà, il faut moins de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment. On va voir si c'est bon. Voilà. Allez, on en fait un autre. Alors, voici un rectangle, on va mesurer, c'est la même chose que tout à l'heure, la longueur du segment vert ci-dessous en utilisant à la fois des rectangles, ces rectangles-là, et une règle graduée. Alors Ici on a la longueur du segment est de. Alors on va d'abord mesurer le segment en termes de rectangle. En fait, la longueur du segment, c'est exactement la longueur de, de un seul rectangle. Donc ici, la longueur du segment est de un rectangle. Et puis en centimètres, alors on, place, on se place ici et on arrive jusqu'au bout, on lit que ça fait 6 cm. Donc la longueur du segment est de 6 cm. Donc là. Comme tout à l'heure, la longueur du rectangle est plus petite ou plus grande qu'un centimètre. Ben, on voit bien ici que le rectangle mesure 6 cm de long. Hein. Donc la longueur du rectangle est plus grande qu'un centimètre. Voilà. Et du coup, comme le rectangle est plus long qu'un centimètre, ben, il va falloir moins de rectangles pour mesurer notre segment que de centimètres. Donc ça, on va le faire ici. Donc il faut moins de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici, on a eu besoin de un rectangle pour mesurer la, le segment, la longueur du segment, alors qu'on a eu besoin de 6 cm pour mesurer la longueur du segment. Voilà, on va faire ça, on va vérifier, c'est bon. Allez, on en fait encore un dernier, c'est assez rigolo. Alors, voici un rectangle. Donc là, le rectangle est beaucoup plus petit, on va, on va faire la même chose, on va mesurer la longueur du segment vert en utilisant ce rectangle et une règle graduée. Alors... Ici, la longueur du segment est de combien, combien est-ce qu'on a de, de rectangles Alors, on part, il faut mesurer toute cette longueur-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rectangles. Donc la longueur du segment, c'est la longueur de 10 rectangles. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Ensuite, maintenant on va utiliser le, les, les centimètres. La longueur du segment est de. Alors on commence ici et on arrive en fait jusqu'à 5. Donc la longueur du segment, c'est 5 cm. Alors tu vois, là c'est l'inverse de tout à l'heure. En fait, la largeur, alors oui, c'est la largeur ici, puisque en général, la longueur, c'est le plus grand côté. Donc ici, c'est la largeur du rectangle, c'est cette petite, cette petite dimension ici. Donc la largeur de chaque rectangle est... Alors est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande que 1 cm Eh bien ici, tu vois que... La, la largeur du rectangle, c'est cette distance-là. Et donc, c'est à peu près la moitié, en fait. C'est la moitié d'un centimètre, donc c'est plus petit qu'un centimètre. Donc, je vais mettre ça. La largeur de chaque rectangle est plus petite qu'un centimètre. Donc, il faut... Alors, cette fois-ci, est-ce qu'il va falloir plus ou moins de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment bah, tu, tu peux déjà voir ce qui s'est passé ici, on a eu besoin de 10 rectangles, alors qu'on avait besoin seulement de 5 cm. Donc a priori, il faut plus de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment. Mais bon, c'est aussi parce que en fait, les, les, la largeur de chaque rectangle est plus petite qu'un centimètre. Donc on, on va mesurer le segment avec plus de... Des, avec des rectangles plus petits que de centimètres. Donc il va en falloir plus pour recouvrir toute la longueur du segment. Donc on va faire ça. Donc, il faut plus de rectangles que de centimètres pour mesurer le segment. Effectivement, on a eu besoin de 10 rectangles, alors qu'on a eu besoin de seulement de 5 centimètres. Voilà, on va vérifier ça. Voilà, c'est bon. À bientôt.